Non, on sent vraiment qu'il y a une grosse, grosse évolution. On sent que le stage évolue d'année en année, que les petits points qu'il y a à rectifier sont rectifiés d'année en année. Je veux dire, au niveau du staff médical, au niveau des installations, et puis il y a tout ce qu'il faut au niveau de la baléo, de la récupération. C'est vraiment. On est mieux que dans beaucoup, beaucoup de clubs de Ligue 2 que j'ai côtoyé. Il y a vraiment tout pour être prêt au moment où un club fera appel à nos services. Ouais, c'est bénéfique parce que c'est vrai que quand on arrive, on se regarde tous un petit peu du coin de l'œil. Tout le monde s'est déjà croisé sur le terrain, mais personne ne s'est jamais vraiment parlé. Et ça permet un petit peu de briser la glace et de créer des liens qui se seraient créés forcément. Mais c'est vrai qu'on a très peu de temps ici pour créer une équipe parce que c'est faut quand même avoir des résultats et les résultats, ça passe par un groupe. Et à partir du moment où les liens sont créés, les résultats arrivent plus facilement. Individuellement, l'objectif est rempli parce que je pense que je suis prêt à jouer 90 minutes et c'est vrai que l'objectif est d'être prêt au moment où un club fera appel à nos services et là je me sens en jambes, je me sens prêt physiquement, c'est un club qui m'appelle dans les jours à venir.